salutation pour nous chaque et puis bienvenue dans toi quatrième grand sorti formation sous gestion projet que conseil éducation hein, et porté pour vous en dans Matrix NG et dans numéro qui t'est passé à et nous te ouais en gros qui gens ou capable gérer porter projet. Et nous te dit que l'autre nom porté projet en Kagen c'est envergure. Là nous parler de porté ou bien envergure, c'est qui ça projet a bail comme résultat. C'est tout ça projet a gagné comme résultat et puis tout ça livrable auto ça projet a bail comme livrable. Donc c'est tout ça nous mettez ensemble et qui former porté projet. Donc nous t'ai défini porter à nous t'ai dit et porter à qui j'ai pour capable planifier pour porter à c'est vous devez analyser toute information qu'on gagne vous devez rassembler détails et puis surtout vous devez documenter tout bagaille et puis après ça nous t'ai parlé et de prend et attendre stakeholders yo, puisque résultat projet a dépend de et satisfaction attente tout stakeholders yo mais en même temps nous te dit analyser et tout attente yo et puis garder est-ce que tout attente yo aller dans même sens donc si il y a des attentes qui contradictoires ou doit retourner au chita ensemble avec stakeholders yo et puis pour dire yo et façon ça nous pas capable avancer mais qui façon cap plus bon pour nous capable avancer et après ça nous te ouais des documents qui très intéressant c'est la déclaration de portée que nous capable considérer tant que c'est un contrat ou prend ensemble avec commanditeur de projet hein. Et l'autre bagaille c'est liste d'activités hein, que qui là pour capable lister tout ça qui pral gagner dans projet hein. Donc c'est des documents qui très intéressant que vous capable gagner. Et puis nous avons tout et WBS là qui c'est dans langue française organigramme technique du projet et donc c'est un document qui très intéressant qui ça le fait lui-même li et au lieu que li ba yon liste comme ça tant que liste d'activité hein, donc li ba yon diagramme comme ça qui très explicite et qui très clair côté li présenter en gros mes projets. Donc et li bay objectif projet li bay ki sa projet et puis li bay livrable yo et puis des tâches spécifiques côté et ou a joine et mais ki sa projet a pral bay comme résultat. Donc c'est si ou a présenter projet a et en gros à stakeholders yo après ou fin planifier tout bagay etc. Donc et c'est OTP li même ou doit utiliser pour capable présenter le by stakeholders yo pour par exemple commanditaire de projet hein, et si gen une rencontre qui pour faire en vent et l'aide que nous pour lancer projet hein, OK le lancement projet après le fait donc c'est OTPA lui même ou pour présenter by stakeholders yo les ça et pour yo gagner une vision et global de projet hein, de qui ça projet a pral bay comme résultat. Donc dans lancement officiel réunion de lancement officiel projet donc OTPA c'est un document qui important et puis intéressant en pile pour que ou capable utiliser pour capable présenter projet. Donc en gros c'était comme ça nous planifier nous définir porter et jodi a nous pral passer dans l'autre étape et qui sait comment ou planifier temps. Et temps c'est une partie qui très très intéressant et c'est là que nous pour aller en pile calcul en pile et technicité en dans affaire gestion projet et nous pour rentrer dans temps. Donc et nous souhaitons que vous posez vidéo à ou prenez de l'eau mettez à côté ou, et puis boitez de l'eau chaque clair et mouillez lève là et puis nous pral parti comme ça.
Ok, bon, et moi souhaitais que et ou bien manger ou pas soif ou bien petit de l'eau bon côté calculatrice ou bon côté et parce que là qu'on y a nous pral rentrer dans une partie qui est vraiment très très technique et nous souhaitons que ou marie sentir et ou prend sang ou prend temps parce que là ou a besoin pour capable suivre avec en pile attention. Il a besoin tout pour capable faire quelques petites pratiques tout parce que partie ça va demander ça. Je dis à et nous pral parler de temps. Comment ou gérer temps dans un projet? Qui importance temps gagné dans affaire gestion de projet? Eh bien, pour gérer le temps, il faut savoir estimer et la durée de chaque tâche. Il faut savoir comment ajouter des marges, agencer les tâches et aussi assigner un début et une fin à chacune des tâches. Donc, ça, c'est quatre activités, ça, c'est quatre et ça, nous pral mettez en œuvre pour nous capables de travailler sous gestion de temps dans formation. Et c'est là. Eh bien, premièrement, estimer la durée. Avant même de savoir, bien, d'utiliser les techniques existantes pour l'estimation de la durée d'une tâche, il y a surtout deux pièges à éviter. Très, très important. Et il y a le biais de l'optimisme et aussi il y a l'illusion du contrôle. C'est quoi un biais? Le biais cognitif est un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. À cause des biais cognitifs, la prise de décision de l'individu sera faussée. Ou encore, un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs influencent nos choix. En particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importantes ou que le temps est limité. Donc, en gros, et c'est ça un biais cognitif. Maintenant, il y a plusieurs biais cognitifs. Là, maintenant, on va parler en gestion de temps et l'ennemi. L'un des grands ennemis du chef de projet, c'est le biais de l'optimisme. Pour le biais de l'optimisme, on a tendance à considérer seulement les scénarios positifs du futur et on oublie ceux qui peuvent poser quelques problèmes. En gestion de projet, parfois, pour l'homme en soi, un peu de fois, nous considérer que et c'est ça qui est bon qu'à priver nous. Et à pile fois, parfois, nous avons une tendance à et nous pensons que y en a peut-être des livres ou bien films que nous regardons, c'est. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc, nous toujours pensons que depuis nous penser à ça qui est bon, c'est ça qui est bon qu'à priver nous. C'est peut-être vrai, mais dans le cadre et gestion de projet, qui c'est un travail qui est très technique, penser seulement qu'il y a un bagage bon pour arriver, pas suffit pour faire arriver. Donc, et l'imander pour très technique dans savoir faire, l'imander pour ou bien gérer savoir faire. Ok? Donc, et le biais de l'optimisme, parfois, c'est une façon que l'impacter
faussement jugement nous dans question et estimer durée hein. Par exemple et si moi dois prendre moi pour aller l'école et puis dans tête moi toute bagarre a passé bien donc dans tête moi moi dit que et m'a prend 10 minutes pour me arriver l'école là et les cours a commencé à 8h10 moi sorti la caille moi à 8h et puis les m'arriver puis devant gain un blocus et 8h10 moi dans blocus là 8h15 moi dans blocus là moi arrivé l'école là à 8h30 finalement. Donc, qui ça qui la cause que moi arrivé en retard, c'est biais de l'optimisme. C'est parce que dans tête moi t'ai déjà pensé que toute bagaille a privé en bien, pas gain blocus, pas gain rien qui bloquait, et bien moi mettais dans tête moi que 10 minutes suffit pour me capable arriver et l'école là. Donc en gros, voilà pour qui ça, le biais de l'optimisme, c'est un grand ennemi et chef de projet hein, que l'on doit toujours éviter. Il y a aussi l'illusion du contrôle. Ça encore, c'est presque le même bagaille. Donc, on a une confiance démesurée qui porte à croire que l'on peut contrôler tous les événements du futur. OK? Donc, l'important pour que nous connaissions des bagailles que nous ne pouvons pas contrôler. Et c'est ça qui fait la planification. Planification, c'est pour réduire le risque. Donc, nous pas qu'à penser que nous pouvons contrôler toute bagaille si nous absolument essayons de réduire. OK? Donc, l'illusion du contrôle et le biais de l'optimisme. C'est des bagailles nous devons éviter, éviter à tout prix les que nous avons géré un projet. Parce que les n'a géré projet hein, et nous avons besoin pour nous gérer tant bien parce que si nous pas géré tant bien projet n'a pas réussi parce que y en a parce que nous devons toujours rappeler nous et des concepts que nous avons déjà. Donc, nous songeons que y en a définition projet d'ailleurs, c'est un ensemble d'activités que vous devez réaliser dans budget qui est placé pour lien. Hein. Vous devez réaliser toute activité, toute réussite, toute sa portée en gain. Et vous devez faire ça dans le temps qui est parti pour projet en réaliser. Donc, si que gain un pile retard dans le projet, c'est que le projet a déjà pas réussi. Voilà. Donc, quand il y a nous clé sous point ça, on regarde qu'on y a qui gens, qui formule ou capable utiliser pour calculer durée du projet. Estimer la durée d'un projet. Il y a deux étapes. Dans la première étape là, et nous mettons sous table là trois scénarios. Dans le premier scénario, nous imaginons un cas optimiste. Un cas qui est très très optimiste. Et pour m'aller à l'école, de façon optimiste, moi dis que m'a prend 10 minutes. Ça c'est cas optimiste moyen. Donc là, très optimiste, moi dis m'a prend 10 minutes pour aller l'école. Dans un cas normal, côté m'était qu'à penser que moi qu'a gain des retards et moi qu'a gain des imprévus qui arrivaient sur route là. Et m'ta dit que voilà, et m'ka prend 15 à 20 minutes pour m'arriver à l'école là.
Ça, c'est dans le cas normal, côté que moi, fais un petit réfléchi, me dis, ah, quand il y a un blocus, quand il y a quelques petits problèmes, bam, déplacer puis bonnet parce que je prends même environ 15 à 20 minutes pour me réveiller l'école là. Dans un cas très pessimiste, ok, dans un cas pessimiste, me dis, ah, bah, je connais ça qui est arrivé, moto a un problème, et extraterrestre a débarqué, etc. Bam, déplacer yon 30 à 40 minutes en avant. De quoi, n'importe ça qui t'a qu'à passer, m'a bien temps, même si à pied, m'a qu'à prendre route là pour me réveiller. Ok? Donc là, je fais liste 3 cas. Premier cas, moi dis, je prends 10 minutes pour me réveiller. Deuxième cas, moi dis, je prends, ou bien, dans le cas normal là, moi dis, je prends 20 minutes pour me réveiller. Et puis, dans le cas pessimiste, là, lui-même, moi dis, je prends 40 minutes pour me réveiller. Donc, moi listé 3 scénarios ça. Deuxième étape, moi appliquer formule et la formule des 3 points. Et donc, c'est formule ça que nous allons utiliser pour être capable de faire une bonne estimation de durée et tâche. Et qui genre nous utiliser formule ça? Donc, nous poser estimation hein, qui a égal, c'est K optimiste, là, durée K optimiste, là, plus 4 fois durée K normal, là, plus durée K pessimiste, là, et puis nous diviser par 6. Donc, c'est une formule qui est très simple et qui, là, nous plus ou moins sûr que nous avons gagné une valeur plus ou moins correcte de durée activité ça. Voilà, ça c'est formule que nous utilisons pour capable calculer durée une tâche, durée une activité dans un projet. Maintenant, après nous fin calculer durée projet hein, et gagnons l'autre concept qui très très intéressant encore et dans le cadre gestion projet. Eh bien, c'est concept marge. Et marge là, c'est une quantité de temps et que chef de projet en lui-même les ajouter à une activité dans souci pour éviter retard dans le projet. Pas oublier là. Nous a parlé de comment ou gérer temps en dans un projet. Donc marge là c'est une quantité de temps libre que chef de projet lui-même lui a ajouté sous une activité. OK, quantité de temps ça c'est quantité retard que projet a et projet a permettre lui prend. En fait et activité hein, qui permettent de prendre un dans projet sans que l'y pas et impacter date finissement projet ou bien sans que l'y pas impacter date commencement activité qui suivent là. OK, donc et il s'agit pour le CP d'ajouter un nombre de temps additionnel au temps normal indiqué pour la réalisation d'une tâche. La marge à ajouter dépend strictement du cas en question. Plus la tâche est incertaine, plus grande est la marge. Il y a deux définitions. Il y a la marge totale qui représente le retard que peut prendre la réalisation d'une tâche sans impacter la date de fin du projet. À condition, bien sûr, qu'elle ait commencé à sa date le plus tôt. Et la marge libre correspond au retard que peut prendre la réalisation d'une tâche sans impact sur la date au plus tôt des tâches suivantes. Donc, marge totale là. C'est retard que projet a prend et que yon tâche ka prend mais
projet a toujours fini dans la date que l'État doit finir. Marge li blan, c'est retard que l'activité qu'a pris sans lui pas empêcher que tâches qui suivent li, hein, et a commencé dans les poules et commencé. Donc, là, nous parlons de tâches qui suivent, etc. Nous parlons de ça puis devant. Gen yon moun ki kon e ajoute marj yo, dok se yo menm yo jis ajoute marj yo, dok se sa ki fen la nou di ke plus la tache et incerten, plus grand e la marj. Nan w sens ke si mwen menm an tanke chef de proje, map travay ansam avek yon stajyer, par exemple, le fet ke m konese yon stajyer, dok mwen pa ka e bay li, même by activité que li pral faire, m pa ka bay même quantité temps comme marge ensemble avec yon et moun ki expert nan domaine nan déjà. OK? Si que moins besoin des calculs et moins et nan cadre et travail que n'a fait sous bibliothèque à vouloir par exemple et quantité temps m'a bay yon boss maçon pour faire des calculs et sous de sol, etc. Et quantité de temps que m'a bay li comme marge, m'a bay activité ça comme marge, a pi grand parce si que mwen bay one son qui c'est un ingénieur fait yon tel travail puisque expertise yo pas même. Voilà. Ou bien et même si c'est ava yon lot ingénieur que moi pas connais en tant que chef de projet, moi pas vraiment bien connais, donc c'est lui même moi vinn et rive dans position pour travailler ensemble avec elle. Donc quantité de temps que moi même t'ava bay li en tant que yon ingénieur que moi pas connais, la plus grande parce que quantité de temps que t'a bay one son qui c'est yon ingénieur que moi connais. Donc là c'est là que librement ou ajouter tâche. Mais cependant, gen kalkul tout pou kapab e itilize, gen kote ke ou kapab itilize yon metode pou kapab kalkule ki marj wap bay yon proje. E marj sa, se en fonksyon de dure proje. Donk se takoum te ka di, depi nan kalkul dure, hein, ou tout ou capable tout prendre ça en considération depuis dans calcul durée, hein? Donc et dans cas pessimiste là cas encore plus grand, OK, dans cas pessimiste côté ou très pessimiste ou bien dans même cas normal là, donc ou a utiliser un temps qui plus grand. OK, donc c'est ça. Donc puis devant nous pour aller que gens nous capables calculer et marge. Qui gens ou même position ou capable positionner marge là et ou capable positionner marge là et plusieurs façons. Et soit ou ajouter marge là dès chaque tâche. Donc chaque tâche gagne une marge. Et soit ou ajoutez dans un groupe de marge, par exemple, là, nous avons tâche 1, tâche 2, et puis on marge après, tâche 3, tâche 4, tâche 5, on marge après, etc. Et, ou bien autant là que le projet a fini net, ça veut dire ou mettez un temps fixe pour toute tâche, et puis ou ajoutez un grand marge et à la fin du projet. Cependant, il faut surtout faire attention à ne pas ajouter de grandes marges aux tâches uniques. On va voir ça avec la loi de Parkinson. Donc, nous devons toujours éviter ajouter un temps qui est très grand à une tâche unique. Si nous avons une tâche 1 là, et puis moi ajouter une tâche qui est très très grand. Même si c'est tâche ça, c'est yon moun ki m pa konen, se yon moun ki pa gen gran ekspertiz, etc. De marj lan pa dwe exagere. Ok? Marj lan li pa dwe exagere. Dezyem ka a evite, se de ne pa ajoute tout la marj a la fin du proje. Donk, toazyem ka.
Pour qui ça, et nous pas doit ajouter toute marge que nous gagnons et à la dans fin projet. C'est que immédiatement et c'est dans fin projet à que ou ajouter marge là. Première tâche pral gain l'école gain en état. Deuxième tâche vin tout gain en état. Troisième tâche vin gain en état ainsi de suite et selon antécédent yo. Donc là tout ou vin tout perdit contrôle projet. Ou vin tout perdit contrôle projet et ça qu'arrivé que ou pas fini projet nan tan que ou te gen pour finir. Donc li conseiller que ou ajouter et des marges et à un groupe de tâches que parfois et nous ka relé validation période de validation ou checkpoint. OK? Donc nan kad côté ou même moi pas ajouter et marge et partie qui en saumon c'est temps normal pour projet pour activité à capable finir. C'est temps normal pour tâche là capable finir. Donc et partie en vert c'est pour chef de projet. Mais c'est partie en saumon lui-même qui pour et propriétaire activité monde qui a réalisé tâche là. OK? Donc c'est lui-même pour nous capables et considérer nous de mettre ça en tête, ça veut dire c'est pas tout temps ça mon a gain pour le réaliser projet mais c'est temps en saumon lui-même li gain pour le réaliser projet. Donc partie en vert c'est tant côté que chef de projet li pral prend et pour le capable rewè projet si gon bagay pour corriger etc. et puis pour capable valider et en fait pas projet mais activité ou bien tâche là pour capable valider. OK? Donc, nous sommes parlé dans le premier cas et de loi de Parkinson, côté nous dit qu'il ne faut pas ajouter de grandes marges aux tâches uniques. Pour qui ça? Et c'est parce que la loi de Parkinson, eh bien, il stipulait que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Tout autant, ou bien plus de temps pour faire un bagage, c'est tout autant ou à utiliser quantité de temps ça. Donc, et en pile dans nous là, quitter l'école, quitter qu'on ait des devoirs à la maison, etc. Et en pile fois, nous, qu'on gagne des devoirs pour une semaine après. Et je pense que 95% élèves ou mettent quand devoir ça c'est dernier jour avant pour remettre devoir c'est laisser à faire devoir alors que c'est un devoir peut-être qui prend 30 minutes 40 minutes et notre temps pour qu'a fait et bien devoir ça c'est dans dernier jour en pile fois yo pral faire projet ça yo pral faire et yo pral faire devoir ça donc c'est ça et loi de Parkinson l'a dit. Plus on dispose de temps, plus on prendra du temps. Il faut donc se fixer des échéances, des délais raisonnables pour accomplir les tâches que l'on nous demande. Évitez que, pour une tâche quelconque, nous prenions trop de temps. Évitez que vous ayez une marge qui est trop grande. OK? Donc, ça, c'est une partie que non, doit toujours, toujours éviter. Bon, voilà, et nous sauter, ouais, un pile petit partie technique là. Ça, qu'on y a, c'est un moment pour capable de poser vidéo et boire un petit de l'eau, camper et relâcher muscles, bailler l'esprit un petit temps pour capable de recommencer, remembrer lui encore. Et puis nous pral avancer dans yon l'autre partie et toujours dans la même planification temps mais nous pral rentrer dans un document qui très très important encore une partie qui très très important qui est le diagramme
PERT. Quelle est l'importance ou la raison d'être du programme, du diagramme PERT? Le but du diagramme PERT est d'organiser les tâches sous la forme d'un réseau afin de faciliter la gestion du projet. C'est une représentation graphique qui permet d'identifier les connexions entre les différentes tâches, les temps d'exécution et les interdépendances. Nous songer et liste d'activités à lui-même, lui juste présenter toute tâche dans un grand document. Donc, lui juste dit mettre toute tâche, mettre toute activité qui pral gain en dans projet. Et ou bien WBS là, et ou bien OTP qui pral bail une vision globale de projet. Donc, lui-même, il n'est pas étalé toute activité, yo, mais il bail une vision large de projet ensemble avec livrable, ensemble avec grande tâche. Coulier, et ensemble avec diagramme PERT à lui-même, il non seulement et bail tâche, yo, et il bail temps exécution tâche. Yo, li bay koneksyon ki egziste an tâche yo, donk li bay interdependans ki egziste an tâche yo. Kon ya, lè nou pale de dependans an tâche yo, ki sa vle di. Ebyen, lè nou wè ajansman e tâche yo, donk genyen kat gran rezon ki ka fè nou pale de dependans. Il y a les dépendances logiques basées sur la logique. Et par exemple, dans le cadre bibliothèque Avlo, et nous pas qu'à mettre dalle avant que et structure la fin campée. Nous pas qu'à dire n'a posé bloc avant que base là fin mettez afin que nous fin nous pas qu'à tomber mettez béton pour base avant que nous fouiller fondation. Ok, donc ces types de dépendance logique, ça c'est tout type de réflexion logique ça yo, qui permettent que nous gagnons dépendance logique yo. Du point de vue de ressources. Et si que nous gagnons un ingénieur informatique dans l'entreprise là, dans Matrix NG, gagnons une application qui peut créer. Gagnons une application qui peut créer pour capable gérer et gérer Livio. Et puis gagnons une application qui peut créer pour capable gérer ça fait monde qui peut rentrer, contrôler carte, etc. Mais quand il y a deux applications, ça et chef de projet a besoin, mais nous avons un seul ingénieur informatique. Donc, immédiatement, il faut qu'il y ait fini pour l'autre là capable de commencer. Ok? Donc, ça, c'est une dépendance qui est liée ensemble avec ressources. C'est parce qu'il manque de ressources qui fait que yon oblige tant notre là. Gagne tout l'autre facteur externe. Par exemple, et pour couler en dalle, ou obligé que pas gagne la pluie, pas gagne averse. Si tant marée, et moins certain que ingénieur a dit à entendre et boss là a dit entendre et demain. Entendre tant bon. Donc ça, c'est l'autre dépendance de façon externe. Ou bien, pour commencer fouiller fondation, pour commencer n'importe quel travail là, faut que la mairie bail et validation avant. Donc tout en la mairie pour qu'on d'accord
nous pouvons commencer à fouiller fondation, nous pouvons commencer le travail. Donc ça, c'est un autre type de dépendance externe. L'autre dépendance qui gagne, c'est peut-être dépendance souple, que lui-même les subjectifs, c'est un chef de projet en lui-même en soi qui décide de lui, c'est lui-même qui met. Ok? Donc ça, c'est une raison qui a fait nous gagner des dépendances entre tâches. Et qu'il y a un qui type de dépendance qui gagne. Et il y a finir pour commencer. J'en ai dit à l'heure. Et nous pas qu'à commencer poser bloc avant fondation fini. Donc fondation base là, les fini avant. Après ça, nous pourrons commencer qu'à poser bloc. Ok? Donc ça c'est un type de départ de ça veut dire tâche et achever la fondation ou bien tâche fondation ou bien tâche base lui-même lui doit finir après ça pour tâche poser bloc capable commencer. Donc ça c'est premier type de dépendance. Donc tous les dés et activités ça eux même yo lié yo fin lié. OK? Deuxième type de dépendance finir pour finir. En pour cas, par exemple, côté nous dit, nous avons une tâche qui c'est peinturer dernier étage là. Et puis l'autre tâche qui dit peinturer toute bibliothèque là. Et tout autant nous pouvons finir peinturer. Dernier étage là, dernier chambre dans dernier étage là. Ça veut dire que bibliothèque là en soi, poko fin peinturé. Donc, faut que dernier chambre dans dernier étage là fin peinturé. Et puis, là, ça, n'a dit que bibliothèque là en soi, li fin peinturé. Donc, ça, c'est ce type de dépendance qui relie finir pour finir. Donc, faut que premier a fini d'abord. Et puis deuxième là qu'on y a la fini. OK? Et l'autre type de dépendance qui gagne c'est commencer pour finir. Commencer pour commencer d'abord. Et dans cas ça par exemple et nous qu'a dit dans quatre côtés et si nous dit monter bloc et pour entourer bibliothèque là et dans cas monter nous avons dit nous avons une façade nord et nous avons une façade sud et puis nous avons une façade l'ouest et puis nous avons bien sûr bon peut-être que nous avons dit façade est là oui dépendamment de qui j'en ai fait. Donc, tâche qui dit monter tous les trois façades, pour le commencer, faut que tâche qui dit monter façade nord, là, lui-même, il commence. Si c'est façade nord, on a point comme premier façade, on a monté bloc là-dedans. Donc, immédiatement, nous commencer façade nord, là. Donc, ça veut dire que tâche monter tous les trois façades, lui-même, il tout commencer une fois. Donc ça, c'est commencer pour commencer. Maintenant, commencer pour finir. On prend un exemple dans le cadre de sécurité qui est là pour vous et gérer en dedans. Donc, si, première sécurité qui est là de peut-être 6 heures du matin à midi ou bien de minuit à midi. Et lui-même. Li dwe tan lot sekirite ki pral la de minti a minuyen, li dwe tan li menm pou li komanse travay anvan ke travay pali an fini.
Donc, avant que premier a fini, faut que l'étonne deuxième nan vini d'abord. Parce qu'il n'est pas qu'à quitter en dedans sans que en dedans pas de sécurité. Donc, faut que l'étonne deuxième sécurité a vini, faut que premier sécurité attend deuxième sécurité a vini avant que lui-même travail n'y a fini. Donc, ça, c'est des quatre types et dépendance qui gagne. Attention, depuis nous, ça veut dire ça très important. Donc, ça, c'est quatre types de dépendance qui gagne parce que nous pourrons l'utiliser, l'important important pour nous capables d'utiliser. OK? Coulière, et nous pourrons voir qui gens nous capables de réaliser et diagramme PERT. Et d'abord, nous avons fait liste tâches. Nous avons mis durée tâche, nous avons calculé, nous connaissons déjà pour nous calculer durée tâche. Okay? Nous avons mis la liste de tâches, dans le cas où nous avons les tâches A, tâche B, tâche C, etc. Et nous mettons durée en mois, en jour, n'importe genre, et selon le projet. Okay? Durée 1, selon le projet, nous mettons durée 1. Si c'est un projet et nous avons utilisé mois comme unité de temps, et si c'est un projet, nous avons utilisé semaine comme unité de temps ou bien jour comme unité de temps. Donc, c'est en fonction de qui projet, donc nous avons utilisé qui est unité de temps. Okay? Après ça, nous avons listé antécédents. Okay? Et tâche A, pas gain antécédent. Tâche B, pas gain antécédent. Tâche C, gain comme antécédent. Tâche A. Tâche B, tâche D, gain comme antécédent. Tâche D. Tâche E, gain comme antécédent. Tâche B. Et puis tâche F, gain comme antécédent. Tâche E. Et puis tâche G, li gain et deux antécédents qui c'est tâche A et puis tâche D. Là, nous parlons des antécédents et c'est même quatre dépendances. Ça veut dire là que tâche C gagne tâche A comme antécédent. Ça veut dire tâche C, probablement dans quatre premiers types de dépendance, noire, tâche C lui-même n'est pas capable de commencer tout autant tâche A pour qu'on finisse. OK, donc tâche C dépend de tâche A. C'est même bagarre là pour tâche D. Tâche D pas qu'à commencer tout autant tâche B pour qu'on finisse. Là, pas oublier, on a parlé de type de dépendance finir pour commencer et c'est un type de dépendance qui puis répandu. OK, et ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est première étape. La deuxième étape, là, nous allons construire réseau. Donc là, c'est sur site web manager-go.com. C'est sur site ça que, en fait, moi, tout prend exemple ça. OK? Donc, qui est capable de construire. Donc, qui gens ou capable construire réseau si là? Ou apprend tâche yo, ok? Ou apprend tâche yo, ou met ou construire réseau et puis ou appliquer chaque à une flèche qu'on y a pour chaque tâche et ou mettez site activité a et puis durée à côté. Par exemple, nous songez. Et pour tâche A, l'été gain yon durée de 2, peut-être 2 jours, on prend 2 jours, et l'été gain yon durée de 2 jours, donc A, 2. Tâche B, te gain yon durée de 8 jours, donc B, 8. OK? Et ainsi de suite. Maintenant, gain yon, nous ouais, c'est un pointillé. Puis devant, nous parlons, ouais, qui ça et qui fait lycée en pointillé. Donc, nous avons utilisé, ok, nous avons utilisé tableau qui gagne et antécédent, comme nous avons là, tâche C te gagne comme antécédent, tâche A, et bien, si nous allons dans le réseau, nous avons gardé
Et ça, c'est tâche A. Eh bien, ça, c'est tâche C. Donc, nous allons regarder tâche A arriver dans tâche C. Donc, nous, là, tâche C commencer après tâche A. OK? Qu'on y a, nous parlons, et puis devant, nous parlons, ouais, plus bagaille toujours, ça c'est tâche 1, etc., etc. OK? Donc, là, deuxième étape, nous lister dans et réseau, hein? Nous lister dans réseau, c'est forme ça, et nous utiliser conventionnellement. Et donc, nous lister réseau, hein? Ensemble avec tâche, et puis durée. Ça, c'est deuxième étape. Pour première étape, là, songer, nous lister tâche, nous lister durée, et puis nous lister antécédent. Ça veut dire, là, nous parlons d'antécédent, qui tâche qui dépend de qui tâche. OK? Voilà. Coulière, troisième étape. Indiquer les dates au plus tôt. Indiquer les dates au plus tôt. Ça veut dire indiquer qui date qui pi bonnet et yon activité doit commencer. Qui date qui pi bonnet yon activité doit commencer. Par exemple, et nous avons une tâche A et activité A, c'est le même qui premier. Donc, date qui pi bonnet, c'est date 0. Donc, là, nous mettons 0, ça veut dire on a utilisé, considéré que jour que l'a commencé à comme date 0. OK? Donc, c'est pas, c'est nous, il a utilisé des chiffres pour nous capables d'identifier et date, au lieu de nous utiliser date à proprement parler. OK? Nous utiliser des chiffres. Donc, date 0, c'est la première date que l'activité projet a lui-même démarré. Nous, comme nous avons là, il marqué début. OK? Koulia, qui j'en nous identifier et date au plus tôt? Hein? Eh bien, nous prenons date au plus tôt de l'étape précédente et puis n'a pas ajouté à durée et durée tâche là. OK, n'a prend date au plus tôt de l'étape ou bien de la tâche précédente et puis n'a pas ajouté à durée tâche là. Ça, c'est pour nous joindre date au plus tôt que activité C qu'a commencé ou bien date au plus tôt que activité B qu'a commencé ainsi de suite. Eh bien qui ça nous connaît, nous déjà connaît qui date et activité A qu'a commencé, pas vrai? Donc puisque c'est lui-même qui a première activité, donc l'a commencé et au temps 0, donc l'a commencé à la date 0. Eh bien qui j'ai pour nous joindre date au plus tôt que activité C qu'a commencé, eh bien l'a prend 0 plus 2. Donc, ça cabaye nous 2. Donc, à la date 2, et c'est là ça, et activité C qui a commencé. Par exemple, si nous gagnons une activité qui non un projet et qui t'a dû commencer 5 mai, par exemple. Si projet a supposé commencer 5 mai. Donc, 5 mai, c'est date 0, nous. Hein? 5 mai, c'est date 0. OK, 5 mai c'est date 0, coulier et qui pi bonnet activité C qui a commencé. Eh bien pi bonnet n'a dit c'est 5 mai plus 2 jours qui que activité a duré et puis ça a bail nous 7 mai. Ça veut dire pi bonnet que nous avons commencé ensemble avec activité C, c'est le 7 mai. OK? On souhaite que tout le monde comprenne ça. Coulier, et nous faisons
fait même bagaille là, nous continuer pour tout même genre. Par exemple, activité B. Donc, nous prenons c'est date au plus tôt, activité étape précédente là, qui c'est là, début, hein, qui c'est début, hein, donc c'est 0 plus 8 qui baille 8. Maintenant, Koulia, et nous a dit pour ça, même genre pour D2. Donc, c'est nous vintage joindre 8, c'est date au plus tôt pour étape si là. Eh bien, pour qui date au plus tôt que G3, G qui a commencé. Donc, on a dit c'est 8 plus 2, qui a bail 10. Attention, là, nous gagnons A'0. Et nous pouvons voir qui ça veut dire. Là, c'est même bagaille là, 8 plus 6 qui baille 14. Qu'on y a. Dans cas côté que nous gagnons et yon étape qui gagne plusieurs antécédents. Par exemple, on prend étape fin qui gagne plusieurs antécédents. Comment vous calculez date au plus tôt? Eh bien, c'est simple. Ça que vous avez fait même genre pour toute étape qui vient avant lui. Par exemple, nous avons CC antécédent. Donc, nous avons dit c'est 2 plus 5 qui baille 7. G, c'est antécédent fin. Hein? Donc, nous avons dit c'est 10 plus 3 qui baille 13. 14, c'est antécédent. Et F, c'est antécédent. Donc, nous avons dit c'est 14 plus 5 qui baille 19. Et je pense que immédiatement, nous avons dit ça là. Nous avons dit ouais. Qui ça veut dire? Donc, là nous fin fait toute somme et pour tout antécédent, yo. Et là nous fin joindre date au plus tôt que yo chaque ta et bail possiblement, eh bien, ça que n'a retenu, hein, c'est si là qui pire. Ok? Les logiques, pas vrai? Parce que si que moins gain et 2 plus 5 qui bail 7, admettons que. Moi, t'as dit que projet a commencé dans date et en fait projet a pibonné projet a fini c'est le 7. Mais comment projet a fait fini 7 dans date 7 alors que activité ça lui-même l'hypoco fini. Très logique, pas vrai? Donc comment fait projet a fini dans date 7 alors que activité G lui-même li poko fini. Alors que pour projet a capable fini, il faut que toute activité yo fini. Voilà, donc moi pense que li très logique et nous voyons que c'est ça qui pi ou hein, c'est lui-même n'a pas retenu. Donc puisque c'est lui-même de toute façon qui va fini en dernier, donc c'est lui-même n'a pas retenu. Voilà, c'est comme ça ou ajouter pour troisième étape là, ou ajouter qui pi bonnet date au plus tôt, ça veut dire qui pi bonnet et yon telle activité capable commencer. OK? Et coulier et nous pral garder et pour quatrième étape là. Quatrième étape là qui c'est indiquer les dates au plus tard. Indiquer les dates au plus tard, ça veut dire qui pita yon projet ta doué commencer. Yon activité et ta doué commencer. Ça veut dire et nan espace ça projet à café tout le temps, il faut commencer et activité à café un peu le temps, il faut commencer. Mais depuis nous arriver dans point mort ça, activité a doué commencer. Activité a indubitablement, il doit commencer et puis il doit respecter durée que il gagne. Eh bien, on regarde qui j'en calcule. Façon que et ou calculer et date qui pita yon projet ka yon activité ka commencé. Donc, on va aller dans le dernier
et étape là qui c'est notre dernier et activité qui c'est fin hein, ou a fait et date au plus tard que projet a dû finir a égal à date au plus tôt que projet a fini. Coulier, façon que vous réalisez ça, c'est ou prend date au plus tard étape, c'est chemin inverse là qu'on y a que nous pral et suivre. Pour et vers yo, c'est date au plus tôt, nous t'es commencé à gauche pour aller à droite. Qu'on y a pour date au plus tard, nous pral commencer et à droite pour aller à gauche. Mais avant ça, nous songer, nous t'es gagné et yon tâche fictive. Pas oublier, nous t'es dit, nous t'es by exemple, et là que nous gagnons et yon tâche qui gagne plaisir, donc, mais qui j'en pour nous calculer. Et pointillé si là. Côté pointillé si là, sorti. Pas oublier, nous t'es gagné un projet qui gagne des antécédents. Nous te gen yon aktivite ki gen dan D antecedan, se aktivite G ki gen kom antecedan A ansanm avek D. Metnan, la, yon aktivite genyen selman yon flech ki pou reprezentel. Donk, mpa ka gen C la, epi pou mgen C la ankon. Mba ka gen D la, D la, pou mgen D la ankon. Sa vle di, yon flèche, yon aktivite. Donk se konsa diagram PERT a prezante. Metnan, ki jan pou nou kapab wè ki es nan aktivite yo, ki es nan flèche yo, kap pote vre aktivite ya. Pour capable bien placer et troisième étape là et côté nous gagnons et pour tâcher lui-même les gagnants à commenter c'est dans les gagnants de commenter c'est dans si nous regardons dans le réseau et nous gagnons extrémité et étape à là et puis nous gagnons D là. Donc, puisque là, et nous gagnons étape pour activité D, et sa date au plus tôt est supérieure à la date au plus tôt de A. La date au plus tôt de l'activité D est supérieur à la date au plus tôt de l'activité A. Donc, et côté que n'a placé étape 3, officiellement, c'est dans étape D2, D1. M'a répété, puisque la date au plus tôt de l'activité D est supérieure à la date au plus tôt de l'activité A, donc l'activité D sera l'activité réelle. Puis, on va créer une activité fictive. Ok, on va créer une activité fictive qui c'est A', que n'a bali et durée 0, et puis n'a plié li ensemble avec étape activité G1. Après, encore, puisque l'activité D a une date supérieure à la date au plus tôt de l'activité A, donc activité D, c'est le même cap activité réelle. Donc c'est le même cap qui flèche pleine, avec très plein. Donc, et puis, on a créé une activité fictive qui c'est A' de 0, 0, qui là seulement pour capable identifier que activité G, lui-même, lui gagne tout comme antécédent activité A. Ok? Donc, flèche
En pointillé, lui-même, les Wally, c'est pour dire que activité G tout, il gagne comme antécédent activité A. OK? Même j'ai ensemble avec activité C, G gagne comme antécédent activité A. Donc, en retournant dans le tableau, nous avons tâche C gagne comme antécédent A et puis tâche G gagne comme antécédent à tout. Voilà, donc c'est comme ça et on définit les cueillons activités et gagner deux antécédents et puis ou bien yon même activité gagner et plusieurs dépendances, c'est comme ça ou définit qui est scénario qui a réel. Ok, et pas oublier yon activité gagne seulement yon flèche en trait plein qui ka représente. Yon activité doit représenter seulement par yon flèche à trait plein. Qu'on y a retourné dans date au plus tard là. Donc nous songer pour date au plus tard là, nous a fait chemin inverse là. On a fait 19 moins 3 cap bay 16, 19 moins 7 cap bay 14. Et là, nous venons dans et commencement activité D à commencement activité E. Là, dans étape 2, hein, et nous venons gagner deux liliers ensemble avec des autres étapes. Sa activité et étape 2 liée ensemble avec étape 3 et puis liée avec étape 4. Qu'on y a et demandé pour nous capables de faire un choix. Et 14 moins 6 by 8, 16 moins 2 by 14. Et pour qui ça, c'est 8 nous choisir. Eh bien, dans la formule, premier, les noter à pour noter une date ou plutôt, nous te prenons ça qui pire. Coulière, pour nous joindre une date ou plus tard, nous prenons ça qui pipitia. Je vais répéter, pour nous joindre une date ou plus tôt, les nous gagnons deux activités ou bien plaisir l'autre, et nous prenons ça qui pire. Pour date ou plus tôt. Yon activité qui a commencé. Koulia, pour nous capables et joindre et date au plus tard, yon activité qui a commencé, nous prenons ça qui pipitia. Ma première formule là encore, c'est date au plus tard de activité précédente, non? Moins durée. Activité 1 ou bien date au plus tard étape précédente là moins durée activité en question hein? C'est lui même kabo date au plus tard activité en question hein? Ka commencé. OK, donc là et c'est comme ça nous calculer et date au plus tôt. Là, c'est même genre et dans étape 1 ensemble avec début, début lié ensemble avec étape 1, début encore lié ensemble avec étape 2. Qu'on y a 14 moins 2 à bail 12, 8 moins 8 à bail 0. Donc on a considéré 0. Ok, n'a pas considéré 0 et les que ou gardez et ou gardez réseau et puis ou fin fait calcul yo logiquement ou capable ouais et pour qui ça c'est comme ça formule lui-même lui présenter. Donc déjà nous fini réseau non. OK, nous avons fini le raisonnement. Qu'on y a à nous calculer marge. J'aime bien dire nous
Et l'en utilise formule sa yo, donc nou kapab kalkule marge. Donc formule pou kapab gen de marge, nou te pale de marge libre, et puis marge totale. Comme rappel, et la marge totale représente le retard que peut prendre la réalisation d'une tâche sans impacter la fin et la date de fin du projet. La marge libre correspond au retard que peut prendre la réalisation d'une tâche sans impacter la date au plus tôt des tâches suivantes. Par exemple, et là, nous avons marge que et A2 a gagné et capable d'impacter date C a commencé. Marge que activité B a gagné a impacté date que et activité D ou bien activité E a commencé. Donc, activité ça a gagné et marge libre et il a gagné marge totale. Marge totale là lui-même, c'est date que activité a gagné, c'est marge que activité a gagné pendant ce temps, activité et projet en soi a fini dans temps normal. Eh bien, regardez le tableau. Donc, pour formule marge totale là, c'est date au plus tard de l'étape suivante, moins durée de la tâche, moins date au plus tôt de l'étape précédente. Formule de la marge totale, date au plus tard de l'étape suivante, moins durée de la tâche, moins date au plus tôt de l'étape précédente. On essaie d'appliquer formule là. Eh bien, yo di nou que marge totale yon tâche, c'est date au plus tôt de l'étape suivante, moins durée de la tâche, moins date au plus tôt de l'étape précédente. Et m'a répété encore au cas où m'ta fon erreur, date et marge totale yon activité, nan kapa nou la nou gen activité A, c'est date au plus tard de l'étape suivante, ça veut dire ça qui vient après. Donc là, nous gagnons date au plus tard, étape 1, c'est 14, moins durée de la tâche, qui c'est 2, moins date au plus tôt de l'étape précédente, qui c'est 0. Donc 14, moins 2, moins 0, ça qui baille 12. Eh bien, si nous venons dans le tableau, nous avons marge totale là, pour tâche A, c'est 12. À nous garder pour tâche B, à nous vérifier que pour tâche B, marge totale là, c'est 0. Eh bien, nous avons tâche B. Étape suivante pour tâche B, c'est étape 2. Donc, et marge au plus tard. Et date au plus tard, c'est 8. Durée, c'est 8. 8 moins 8. Date au plus tôt, c'est 0. 8 moins 8, by 0. Donc, nous gagnons marge, effectivement, marge totale pour activité ou bien tâche B, c'est 0. Et ainsi de suite. En vrai, qu'on y a pour marge libre. Marge libre là lui-même, c'est date au plus tôt de l'étape suivante, moins durée de la tâche, moins date au plus tôt de l'étape précédente. Date au plus tôt de l'étape suivante. Attention, date et ouais, doué. Mettez partie ça yo
Et côté différence, hein? Date au plus tard. Ok? Date au plus tôt. Donc, l'important pour que nous bien garder côté différence yo même yo. Et date au plus tôt de l'étape suivante, moins durée de la tâche, moins date au plus tôt de l'étape précédente. Eh bien, on vérifie pour tâche A pour nous capables et vérifier est-ce que et est-ce que marge libre pour étape et pour tâche A c'est 0. Regardez. Yo dit nous c'est date au plus tôt de l'étape suivante qui c'est 2 moins durée de la tâche qui c'est 2 moins date au plus tôt de l'étape précédente qui c'est 0. Donc c'est 2 moins 2 qui baille effectivement 0. On va vérifier pour tâche B. Pour tâche B, et on vérifie puisque c'est même bagaille là, on utilise et tâche et on utilise tâche C. OK. Donc cette date au plus tôt, c'est 19. Et date au plus tôt, étape suivante, là, c'est 19. Moins durée de la tâche, qui c'est 5. Moins date au plus tôt de l'étape précédente, qui c'est 2. 19 moins 5, 14. 14 moins 2, 12. Donc, nous avons besoin de marge libre pour activité C, c'est 12. Effectivement, marge libre et pour tâche C, c'est 12. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça nous calculer et marge. Attention, la marge libre ne peut pas être supérieure à la marge totale. Okay? Donc, nous t'ai déjà dit, et marge, ce sont des degrés de liberté qui permettent d'absorber des retards. Donc, c'est wall marge, ça. Okay? Coulia, et nous passons dans l'étape 6. Étape 6 là. Et c'est définir, ça a révélé le chemin critique. Le chemin critique représente la séquence de tâches ne disposant d'aucune marge, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune flexibilité entre la tâche précédente et la suivante. Ce tracé indique le délai incompressible pour réaliser le projet. Certains disent que c'est le chemin le plus long que l'on peut parcourir pour la réussite du projet. Donc, dépendamment de qui document ou lit, qui document ou utiliser. Donc, les que ou pas calculer et marge aux gens que nous utilisons une technique. Yon kalkul ou bien yon formule pou fèl lan. Donc, chemin kritik la, se pito chemin ki pi long la. Ok? Se pito chemin ki pi long la. Sa ki ap pran plis tan, se li menm ki chemin kritik la. Ok? Men, nan ka pa nou an kote nou kalkulil, donc chemin kritik la, se tout kote, tout
et tâches qui gagnent et qui pas gagnent aucune marge. Par exemple, là, j'en ai remarqué, donc c'est tâche B, sorti dans tâche B, c'est tâche E, sorti dans tâche E, c'est tâche E et F. Ok, on regarde, on vérifie, tâche B, 0, 0, tâche E, 0, 0, tâche F, 0, 0. Donc c'est trois tâches ça, yo même qui baille nous chemin critique. Rappelez-nous définition chemin critique là. Ok, c'est les capables. Là que nous calculer marge ensemble avec formule ça, donc c'est les représenter et séquence tâches qui pas gain aucune marge. Et là que nous pas utiliser et formule là, nous seulement mettez marge de par nous-mêmes, donc les seulement représenter chemin qui pi long, ça veut dire tâche, toute tâche qui gain et durée qui pi long. Et justement, les que nous gardons dans diagramme ça, nous voyons ces mêmes bagailles là. Donc là, nous avons toutes tâches qui ont plus grande durée. Ouais, là, nous avons durée 8, nous avons durée 6, nous avons durée 5. Donc c'est même bagailles, yo juste dit dans mots qui différent. Ok, donc et gestion de projet, c'est belle bagaille. Gestion de projet vraiment belle, les vaste, mais j'aime te dire non, c'est presque même technique yo, que yo utilisé yo façon différent pour capable réaliser ça que vous voulez réaliser. Et raison ou bien intérêt chemin critique là, c'est que lui permettent ou identifier et qui tâche qui pi important. Ok, lui permettent ou identifier qui tâche et là que ou gagne tâche ça yo, tâche B, tâche E, tâche F, tâche ça yo, chef de projet a dû porter une attention spéciale pour yo. Tâche ça yo pas doit gain aucun retard. Immédiatement, yon tâche ça yo gain un retard, chef de projet a doit tout connaître que projet a gain un retard. Puisque si tâche B gain un retard de un jour, immédiatement tâche E a gain un retard de un jour. Immédiatement tout tâche F a gagné en retard de un jour et immédiatement tout projet a li pap ka fini à la date 19. Ok, donc aussi et le chemin critique permet de prévenir les dérapages et maîtriser les risques. Ok, donc les que vous mais ou tracez chemin critique là, ou connaît que c'est activité ça qui c'est levier et projet hein? Donc les permettre et maîtriser quelques risques et puis les permettre ou évaluer des scénarios. Donc planification c'est ça, c'est mettre plusieurs scénarios sous pied, si ça arrivait mais qui j'en a pas avancé, si ça arrivait mais qui j'en a pas avancé, si ça arrivait mais qui gens n'a avancé. Eh bien, là que vous avez un chemin critique là, il y a un bagage que li pral aider ou en pile pour capable réaliser c'est yon et gros tonton et document et qui intéressant on ne peut plus. Eh bien, document ça lui-même lire les get chart. Nous avons pesé sous lit et c'est un document et qui est indispensable dans les affaires gestion projet. Ou pas qu'à gérer projet pour ou pas connaître ce qui est le Gantt chart,
pour ou pas utiliser get chart. Là, nous prenons une pause et nous parlons en pile, nous ouais en pile bagage aujourd'hui. Donc get chart là lui-même c'est une option à lui-même seul. C'est une section à lui-même seul. Attention, nous toujours dans affaire gestion temps. Mais n'a pas campé là aujourd'hui a et prochaine fois n'a pas retourné nous pour aller voir qui gens sont capables réaliser quel chart là dans et MS Project et nous pour aller voir qui gens sont capables installer MS Project puisque il y a quelques monde qui ont difficulté pour installer MS Project sur ordinateur yo et là que yo gagne Excel et puis yo pas les difficile pour capable gagne MS Project en même temps. Nous parlons ouais tout qui gens capable et réaliser yon gantt chart nan et sous Excel. OK, et nous parlons ouais tout ça yo. Donc c'est vraiment yon section qui pral intéressant. Donc n'a pas camper là et nous conseiller rewè de façon et à tête reposer tout ça nous té ouais jodi a et section ça li très technique li mandé pour capable bien comprendre et puis li mandé yon ti étudier tout. Donc c'était un plaisir pour nous être capable ensemble jodi a pour section ça et nous souhaitons que vous comprenne, nous souhaitons que vous passez un bon moment ensemble avec nous là et apprendre gestion projet c'est un bagage qui intéressant, c'est un bagage qui fait et que on content et là que on comprendre ça ou faire là que on comprendre ça ou pas apprendre et là que on fin apprendre on fin connaître ça ou faire moi garantir que et on apprend mais façon ou pral avancer ensemble avec projet ou et n'importe ça que on fait ou envie utiliser ça que ou connaît ou la donne. Moi sincèrement garantis nous ça. Et bien, c'était fin et partie ça pour aujourd'hui a. Bon succès, bon courage, bonne étude et à bientôt.